Alors, faudrait revoir l'intro du jeu, mais je crois que ce sont des personnages qu'on voit au tout début, ces trois-là. Rudy, princesse. Bienvenue. Nous voilà de retour à Adelaide. Nous nous sommes tous inquiétés pour vous. J'ai rêvé du passé. Je devais protéger, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas le droit de forcer ton secret, princesse. J'ai tout sacrifié pour porter dignement le nom de Van Buras. Je ne pouvais pas te dire la vérité sur mon identité. Jack est un Van Buras. Tu es maintenant un membre important de cette équipe. Ouais, avant c'était déjà le cas, hein, celui qui fait une grande majorité du DPS. Membre, merci à tous. Rudy, princesse, pouvez-vous me rendre un service? Nous devons aller à Arctica. Arctica. Je dois y aller pour régler une affaire en suspens. Je ne peux plus la laisser se salir les mains. Elle s'est enfoncée dans le sang et le péché. Je dois l'aider et la protéger. Tu vas utiliser tes pouvoirs pour protéger? J'ai oublié la vraie nature de mon épée. Jack est le seul récapé du raid sur le château de feu. En feu. Donc pour ça, regardez le premier épisode, j'ai ajouté l'intro que j'avais pas laissé en live. Où on voit pendant 5 minutes toute la scène en fait, qui montre un petit peu l'histoire. Du coup, ils ont dit Arctica. C'est bouillant à Paris ce soir, tu m'étonnes. Là, ils ont pris un risque, hein, avec ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il faut pas que je parle avec un autre perso? Non. L'achèvement de la machine volante a gonflé le moral de mes troupes. Le matériel de recherche sur les golems a beaucoup aidé. Alors, on va améliorer, je pense, un peu les balles de ça. Je pense que 15, ça va être le max. J'espère, en fait. Ouais, c'est parfait. Cette arme, je la voulais à fond. C'est impeccable. Celle-ci, on pourrait aussi un petit peu. Et celui-là un petit peu aussi, parce que c'est quand même bien. En fait, c'est surtout utile pour les groupes d'ennemis, quoi. Pas pour les boss. Globe, attaque auto, individuelle. Ok, elle est au max aussi. En tout cas pour ça. Ça va me coûter cher en balle tout ça. Je pense que 12 c'est le max pour celle-ci. Ouais. Ça va, j'ai 3 armes au max. Peut-être bientôt. 4. Ouais, j'ai terminé celle-ci. Hein. C'est fait. J'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et le laser. Il n'y a plus qu'à mettre des cartouches, on est bien. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas des armures à acheter. Ou des armes.
C'est bon, je devrais faire quelques petits combats, quoi. Bon, Arctica, je pense que c'est là où il y a de la neige, hein. Qu'est-ce que ça dit à ce niveau-là? Je pourrais aller à l'arène aussi. J'ai bien envie de faire l'arène. Au moins tester, quoi. J'ai pas envie de faire tous les trucs annexes dans le jeu, mais... je sais même pas ce qu'il y a en vrai. Je sais qu'il y a des boss un petit peu chauds. Mais l'arène, ça me dit bien. D'ailleurs, j'étais pas allé ici. Je crois pas. En fait, je me suis dirigé vers un combat direct, mais j'ai pas fouillé. Il y en a du monde là-dedans. Au bout d'un moment, tu t'habitues à ces créatures. Les monstres ont des yeux bienveillants. Pardon. Oh, tiens, tiens. Oh bah, j'ai bien fait de me balader. Carrément. Ça, j'en ai vraiment beaucoup en vrai. Hein. J'en ai 10. Il va falloir que j'aille chercher quelques sorts. Très bien. C'est bizarre ce truc là. Oui, d'accord, avec un. Un coup. J'ai bien fait de tester. Duplicateur, c'est mon dernier. Oh non! C'est sûr, il y a un truc trop bien derrière. Wow, wow! 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 4. De toute façon, dans le jeu, j'en ai raté, c'est sûr. Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien. Peut-être des endroits optionnels. Hein. Notre mission est d'empêcher que le duc s'ennuie. Nous lui tenons compagnie. Le voici. Ici, c'est un paradis dénué de morale ou de bon sens. Montre-moi ta force et tâche de ne pas me lasser. Le vrai charme du duc est long à reconnaître, mais il ne faut pas en avoir honte. Ta phrase veut rien dire. Ouais, c'est sûr qu'il y a un truc de ouf derrière les portes, là. 4 portes. Bon, j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a un point de sauvegarde sur l'arène. Mais bon, on va essayer. Hein. Peut-être qu'il y a des duplicateurs à gagner. Il y en a. Si tu comptes pour quelqu'un, n'y va pas. Ça coûte 1000 quand même, hein. Allez, let's go. Est-ce que je vais devoir me retaper celui que j'ai vaincu? Je crois que c'était lui. Alors, je peux y aller comme un fou. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser les objets pour la lame folle. Mais bon, on va voir. Je sais pas combien il y a de combats. Ça, je pourrais le recharger. Donc, autant balancer les meilleurs
les meilleures munitions, là. De toute façon, celui-là, je l'avais éclaté. Bon, c'était un petit peu juste, mais c'était il y a longtemps. Il tapait relativement fort, en fait. Mais il tape toujours aussi fort, en fait. Pourtant, comme je l'ai dit, ouais, c'était il y a longtemps, quoi. Après, il me retire peut-être un nombre de points de vie par rapport à un pourcentage, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh non, ça va être un enfer, en vrai. Je le vois plus. Il est là. Ah, mais le silence plus paralysie. Ça se trouve, c'est par rapport à mon niveau. Si ça se trouve. On va compter sur l'inspiration, quoi. Pas l'inspiration. Un petit peu quand même, mais surtout sur le... Comment ça s'appelle déjà? La force. Le Condition Dream. Tiens, c'est la première fois que je vois cet effet. Bonsoir Ninjette, comment ça va? Je sais pas dans combien de temps je vais avoir. Il s'est transformé en... Purée, le nombre d'effets qu'il a, Jack. Il en a 5. Ouais, c'est zombie, en fait, du coup. Je peux plus le heal. Oh bah ça va pour lui. Je peux rien balancer pour le moment. On va faire ça. Bon, ça c'était sûr, mais peut-être que tant mieux en fait. Je regarde les replays YouTube, du coup ça te plaît le jeu pour le moment? Ben pour le moment j'arrive presque au bout quand même, hein. Mais ouais il est vraiment très bien. Ça a été un petit peu rude au début, mais ça va. C'est vite passé, en fait. Disons que graphiquement, tu te prends un mur au tout début du jeu, avec ce qui se fait maintenant, forcément. Ah, ça, c'était pas mal. Du coup, Jack. C'est parti, Jack. Rudy, on va le laisser avec sa force au max. De toute façon, idéalement, il faudrait tous qu'ils aient la force au max. Non, ah non, le scénario est très cool. Dommage pour la trad, mais il est vraiment très cool. Ah mais non, je l'ai raté. Ouais, c'est une catastrophe là, la trad. Oh, il est passé encore en mode zombie lui. Bon, du coup. En vrai, je pourrais utiliser ça.
pour ne pas le rater. Et le problème, c'est que s'il tape Rudy, bah je risque de me manger des statues. Oui, à l'époque, c'est vrai que c'était très courant pour les RPG encore plus. Puisque le budget n'était pas le même. Et surtout, c'était pas fait par des Français, les trades, en fait. C'est fou que le premier combat soit quand même si chaud, quoi. J'espère qu'il va pas se heal. Ouais, c'est très bien sur Rudy. Bon, normalement ça va sauter. Par contre, je suis passé en zombie et ça, c'est pas fou. Je sais même pas comment on le vire zombie. Est-ce que ça pas ça. Restaurant. Est-ce que ça marche ça? Oui, ça marche. Ça vire tout en plus. Il a pas tant de points de vie que ça. Il doit en avoir 10 000 à peu près. Je l'ai fait à 12 ans, j'y comprenais rien. Bah tu m'étonnes. Les voici maintenant dans l'arène de la survie. Prêt, partez. Ah ouais, on enchaîne les combats en fait. Je sais pas combien il y en a du coup. Et on démarre... je pense sans nos buffs, sans rien. Ah, je présume. Ce qui m'embête, c'est qu'on peut pas savoir justement les buffs qu'on a sur un personnage. Genre là, est-ce qu'il faut que je rebalance un truc sur Cecilia? Ou est-ce qu'elle a gardé son buff? En fait, j'aimerais être très simple de le savoir. Je vais faire ça. Elle l'a pas gardé, sinon elle aurait agi en premier. J'étais sûr qu'il allait taper très fort, lui. Mais nous aussi, on tape très fort. Vraiment, Astro Energy, c'est le meilleur skill, en fait. Hein. De mémoire, il y a 4-5 combats à en enfer. C'est pas mal, ouais, quand même. Ce qui m'embête, c'est que l'ennemi, là, il a pas l'air de faire de magie. Et je comptais sur ça pour en récupérer, en fait. Pour récupérer des PM, pardon. Faut que je puisse finir le combat full point de vie en fait. Ça, ce sera pas mal. Là, ce qu'on va faire, qui sera pas trop mal en vrai,
c'est ça. Est-ce qu'on en a des meilleurs de ces machins en vrai? Je crois pas, hein. Au moins, j'en utilise un de moins et j'ai une bonne réserve puisque j'en ai pas beaucoup utilisé dans le jeu. J'ai toujours essayé de faire ça en vrai. Qu'il attaque avant mes persos. Du coup, j'attaque ensuite avec potentiellement la possibilité de le tuer. Et je repars avec des points de vie en moins sur le prochain. Faudrait peut-être que je mette activité sur chacun en vrai. Ce serait pas déconnant. Mais là, c'est un peu tard. Quand même très mal, hein. Il est mort, Cecilia 400 points de vie, c'est ce que je craignais. Il semble que chacun ait été captivé par le combat. La bagarre était même rude pour le duc Peguchi. Vite à vie à fond. Allez, next. Le seul truc que je peux espérer, c'est qu'il attaque avant. Enfin, que Jack soigne avant. C'est plutôt ça. Hein. Ah, nice. Ça veut pas dire qu'il fera pas mal l'autre, mais au moins, elle va peut-être survivre. Continue avec la même technique, ça marche pas mal. L'astro-énergie. Et je crois que je vais définitivement mettre tous mes objets dans cette technique pour qu'elle me coûte moins cher. Ou peut-être quelques-uns. De toute façon, je pourrais pas tous les mettre vu qu'elle coûte que 6 PM. Et quelques-uns dans une technique de groupe aussi. Ça peut être pas mal. Et on va faire un soin quand même. Waouh! C'était vraiment pas fou là! Il s'est passé quoi? En plus, si je meurs, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça. Je suis obligé de recharger le point de sauvegarde? Juste ça me kick. J'aimerais bien qu'il fasse une attaque sur un seul perso là. Que je puisse placer les buffs. Ah mais je pourrais, quand elle sera à fond,
Je pourrais faire la formule double. Encore faut-il qu'elle arrive à fond. Ouais, ça c'est vraiment pas fou là par contre. C'est peut-être considéré comme une magie la bombe antimatière. J'ai un petit doute quand même. Hein. Ouais, je crois que je vais arrêter les techniques avec lui. Je vais conserver les PM comme ça. Hein. Je vais le remplir maintenant. Ah mais en plus on peut agir direct. On serait abusé. C'est trop bien en vrai. Non on peut pas agir, j'ai rien dit. Condition Grain. Division avec Jack. Je vais essayer. Merci. Alors, je peux faire deux sorts. Donc, je vais faire ça. Et je vais faire... ça. Ouais. Comme je le disais, l'idée c'est de pouvoir l'utile en étant full point de vie. Mais... t'es vraiment malade dans ce quartier. Tu m'as dit division. Coupe les PF en deux. Ah, tu penses que ça marche ça? On va essayer, on va voir. Sur un boss, j'ai un doute quand même. Ah si, ça marche de ouf. Bien vu. Et là, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de points de vie. Ah, jamais j'aurais pensé que ça marcherait sur un boss. Hein. Par contre, avant de faire ça... non, elle va soigner. La traduction était nulle. Bah, ça va, parce que ça te dit quand même que ça divise... les points de vie par deux. C'est un gravité quoi, si on prend l'exemple de Final Fantasy. Je savais ce que ça faisait, mais par contre je pensais pas que ça marcherait sur un boss. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de les voler aussi. Et genre ça marche sur tous les boss. Ça va me permettre de savoir ce qu'il lui reste en fait. Ah bah là, il lui reste plus beaucoup. Du coup, ça arrange pas mes histoires parce que Rudy va le ken. Non, non, c'est bon. On va faire autre chose avec lui pour la peine. J'espère juste que le grand laser va pas passer avant lui là. Et bah si. Ah, ça m'arrange pas du tout ça. J'aurais dû défendre. Bon, arrête, c'est fou, vous prenez tous tant de plaisir à attaquer. Des monstres normaux ne te suffisent pas, tu es invincible.
Il était impossible d'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Qui sait ce qui va se passer ensuite dans l'arène de la survie? Allez. Partez. Je crois que ça fait 4 avec celui-là. Là, le problème, c'est que... Bah, c'est pas bon du tout. Parce que tous mes persos sont mis points de vie. S'il fait une attaque de zone, je suis mort. Je peux tenter de faire une ambroisie, mais bon. Ça m'embête de lâcher ça pour ce combat, quoi. On va quand même essayer. Je préfère en cramer un que me retaper les 4 combats. Hop, tu as mis l'attaque en premier. Oh la chance, j'ai esquivé quoi. Ça va, il y a une justice quand même. Parce qu'il pourrait au moins nous remettre full point de vie. Les PM, je veux bien tout ça, mais... Le point de vie, ce serait quand même la moindre des choses. Alors du coup, je vais utiliser ça, hein, vu que ça marche bien. Et là, on va mettre tout de suite un autre quick sur... sur Rudy. Et on va pouvoir en mettre un autre prochain tour encore. C'est vraiment le plus important en vrai. C'est vraiment trop bien ce skill, franchement. Après, j'ai pas eu de grosses difficultés sur les boss, mais si j'avais su avant, c'est clair que je l'aurais utilisé beaucoup plus, hein. Non, j'avais dit que je vais healer la petite Cécilia. Et je fais un quick sur celui-là. En plus, ça permet de plus ou moins connaître les points de vie des boss. Savoir où on en est. Donc pour ici, c'est assez utile. Ah mais attends, il a agi. Avant lui, je crois. C'est pas fou ça. Avant le hast. Ah ouais, faut que je lui baisse sa réactivité, hein. J'espère que j'ai toujours le sort pour ça. C'est moins sûr. Augmente anticipation. Ou alors il s'est buff et j'ai pas fait attention. C'est ça. Ça c'est bien ça. J'espère juste que ça va suffire. Que oui, hein, mais bon. Et on n'a pas trop le choix, là ça va être magique carotte. Là on peut balancer ça.
Ouais, j'aurais pu faire protection, je me dis. Ah, il attaquait avant Cécilia. Ça m'embête. La contre-attaque à 66, c'est vraiment pas fou. Hein. On va en profiter là. Vu qu'elle est à peu près bien. Non. Ouais, le 66, c'était pas fou, hein. Eh, on crit, ça va. Là, c'est chaud s'il retape Cécilia. Donc, il faut que je fasse ça. Malgré la baisse de réactivité et le fait que j'en ai mis sur tous les persos, Cécilia agit après l'ennemi, quoi. Incroyable, ça. Je prépare pour le prochain combat. Jack sera full, ou quasiment, puisque je vais utiliser quand même des PM là. Elle a encore de quoi faire. Wow, c'est quoi ça? Ok, ça sortait de nulle part. C'est chaud là. Ça va m'obliger à utiliser les 40 PM. À mon avis, c'est parce qu'il va bientôt crever. De la chance, il a utilisé qu'une fois. Je sais pas si c'est de la chance. Mais... Le heal, il passe quand même avant là. Ok. Il n'y a plus beaucoup de points de vie là, c'est bien. Prochain tour, je le bute. Du coup, on va faire ça. Et je vais préparer le prochain. Même s'il me reste 3 balles. Ouais, il est full, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va passer avant Jack. Yes. Ah bah oui, puisqu'il est mort, donc il a perdu le buff. Du coup, il va agir après le... l'ennemi, je crois. Ça m'arrange pas, évidemment. J'ai mal calculé mon coup. Ah bah si, c'est bon. Ridicule. Oh, il fait plus rien du tout là-dessus. Du coup, je vais faire ça. Lady va faire ça. Et elle, elle va se heal en espérant que ça passe en premier. Et ben non. Il va être chaud le prochain combat. Merci.
Ouah, quelle victoire! Même le duc Pegucci en reste sans voix. Arène de la survie, nous attendons ton défi. Fais participer amis et famille à cette démonstration de force. Ah, je gagne des trucs. Ça y est, c'est fini? Ah oui, d'accord. Annule tous les états anormaux. Oh, ça c'est vraiment bien. J'ai pas vu ce que j'avais eu d'autre. Si, j'ai eu un duplicateur. Bon, il m'en faut 4 ou 5, donc c'est pas grave. C'est cool. Vite, faut aller save là. Je sais pas si je pouvais passer la porte par contre. Non, c'est fini. Je vais aller voir le vieux là-haut. Là. Le voici. C'est bon, je t'ai montré ma force, tu devrais me donner un truc. Je m'attendais quand même à de meilleures récompenses, mais bon, on a quand même eu un équivalent du ruban. Ça, je vais quand même l'ouvrir, même si c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça pourrait me servir ailleurs. Combien il en faut déjà? Je crois qu'il m'en manque 2. 3. Il y avait 2 boss optionnels ici, mais je sais plus comment on fait. Ah, tu veux dire en combat d'arène? De toute façon, là, vu que j'approche de la fin, je vais peut-être regarder ce qu'il y a en quête annexe. Parce que de toute façon, je les trouverai pas par mes propres moyens. Le jeu est pas assez, comment dire... Elle nous donne pas assez d'informations pour trouver les trucs, je trouve. Le fait que la trad soit complètement éclatée. N'êtes pas en ce sens. Tiens, il y a Terra. C'est trop cher chez toi, mon pote. L'autre, il veut gratter 1000. Alors qu'on peut se téléporter à Adelaide et que ça coûte 30. On nous prend pour des pigeons, quoi. Puis on va remplir les flingues aussi. Ah bah je venais de mettre un chargeur, c'est vrai. En fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait, qu'il y en avait un autre après. 5, ça me paraissait pas mal. Pour un jambon, ouais, il nous prend pour un jambon. Bah très bien tout ça. Mesdames et messieurs, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors je sais pas du tout où j'en suis par rapport à la fin. Donc je suis même pas sûr que demain on pourra terminer le jeu. Puis on va peut-être faire quelques petits trucs annexes. Je vais regarder ce qu'il y a de toute façon. Et puis je déciderai si on fait les trucs ou pas. Si c'est juste des boss, honnêtement je pense pas les faire. Ça m'intéresse pas si ça n'apporte pas quelque chose de concret à l'histoire. Après, il y a peut-être des boss optionnels qui en apportent, j'en sais rien. Bref, demain on continue Wild Arms, n'oubliez pas, samedi c'est du Zelda Breath of the Wild, a priori à 18h. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Allez, ciao, bye bye.